Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes, en tout cas moi ça va nickel et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les amis, on se trouve sur une toute nouvelle vidéo où on va fabriquer un objet de Fortnite. Et l'objet qu'on va fabriquer aujourd'hui est quand même l'objet le plus important de Fortnite. Je vous mets au défi de me dire dans les commentaires maintenant qu'est-ce qui est l'objet le plus important de Fortnite. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire top 1? Bon, vous savez ce que c'est si vous avez regardé le titre ou la miniature. Aujourd'hui les amis, nous allons fabriquer des bandages. Bon, on dirait pas comme ça, mais c'est grâce à ça qu'on fait top 1. Parce que si on n'avait pas de bandage, on pourrait pas se remettre de la vie. Et oui, l'objet le plus important. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez un like. Et si vous jouez toujours à Fortnite, vous pouvez mettre aussi un like. Et j'ai une question qui me traverse l'esprit comme ça. Dites-moi les potes en commentaire sur quelle plateforme vous jouez à Fortnite. Si vous jouez sur mobile, si vous jouez sur PS4, Xbox, PC, voir quel gamer vous êtes. Je compte sur vous pour me dire en commentaire. Bref les potes, sinon pour faire des bandages, il n'y a vraiment rien de plus simple. C'est vraiment le truc le plus facile que j'ai vu de ma vie. Et à faire aussi, parce que toutes ces popos là, comme vous voyez juste ici, la moyenne, les toutes petites, la moyenne grosse et la énorme popo, je peux vous dire que c'était quand même assez lent, ça coûtait assez cher. Et là vraiment pour faire des bandages, ça coûte mais vraiment rien du tout. Mais quand je vous dis vraiment rien du tout, rien du tout. Ingrédients, enfin plutôt matériaux. Et pas Vincent Macario. Oh, c'était de la merde. Il va nous falloir en tout premier du sopalin. Tout le monde a du sopalin chez soi. C'est vraiment le truc qui est vraiment le... que tout le monde a. T'as pas de sopalin, t'es pas propre. Voilà. Bon, comme vous le voyez, moi, il y a une petite erreur. C'est que mon sopalin a des petites fleurs dessus. Donc, bref, si vous avez du sopalin 100% blanc, c'est parfait. Mais bon, ça va, ça se voit pas trop quand même. Ensuite, le deuxième truc qu'il va vous falloir, ça sera... Ensuite, le deuxième objet qu'il va nous falloir, ça sera du scotch rouge. Très important le scotch rouge parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire la délimitation au milieu comme sur les vrais bandages. Je vous mets une petite photo, regardez, c'est rouge au milieu donc scotch rouge. Et le troisième plus important c'est le scotch blanc parce que pour faire la petite croix du milieu il nous faut bien évidemment du scotch blanc. Donc si vous avez tous ces matériaux, c'est parti, on peut commencer, let's go baby. On va se mettre à notre petite table de travail, notre petit atelier, ce qui veut dire notre bureau. Tiens, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ici. Ça, ça dégage, ça, ça dégage. Voilà, c'est parti. J'ai une question pour vous aussi les amis. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà essayé de reproduire un objet Fortnite que j'avais déjà créé. Comme ça, je me dis peut-être que mes tutos ont été utiles. Mais bon, sinon pour commencer, on prend notre sopalin. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez aussi votre petit stylo et que vous allez délimiter l'endroit où c'est qu'il va avoir le scotch rouge. Moi, je vais dire que ça va venir jusqu'ici. Ah là, voilà, c'est pas mal comme ça. Bon, vous voyez pas trop, mais voilà, c'est à peu près un truc comme ça. Ensuite, vous prenez votre scotch, vous lui niquez sa mère. Voilà. Et là, on tourne, et c'est parti pour faire plusieurs tours. Et un tour, vous voyez, ça donne comme ça. Il faut aller jusqu'à l'autre bout, c'est que vous avez fait votre très haut stylo. Petite précision les amis, c'est bien d'appuyer un petit peu fort pour que vous voyez le sopalin se sente compressé. Ça donne un effet de réalisme un peu comme sur le jeu. Allez c'est bon, moi j'ai bientôt fini. Une fois ensuite qu'on a notre sopalin entouré de scotch rouge, il va nous falloir prendre le scotch blanc. C'est parti, on est prêt pour lui niquer sa mère. Là la troisième étape est vraiment simple, c'est découper des bouts comme ça de scotch blanc. Voilà un bout de scotch que vous allez positionner sur la longueur comme ça de notre bandage. Et un deuxième, le voici et nous allons le poser verticalement. Ben voilà, c'est pas mal. Voilà ce que ça nous donne les potes, c'est vraiment cool. Mais attendez, parce qu'il manque quand même quelque chose. Je viens de regarder une photo et c'est vrai que derrière notre bandage, il y a comme deux trucs en fer. Alors en vrai, je savais même pas qu'il y avait ça sur les bandages de Fortnite, j'avais jamais fait attention. Mais bon, puisque ça y est, on va le faire. Bon, ça c'est la version 1, vous voyez que notre sopalin est quand même assez ressemblant à un bandage de Fortnite. Mais maintenant, on va essayer de mettre nos trucs en fer derrière. Donc ça, vous êtes complètement pas obligé de le faire, hein. Votre bandage ne sera pas gâché. Mais comme on est dans un truc de reproduction, on reproduit jusqu'au bout, monsieur. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Du scotch gris. Mais si vous n'en avez pas, peinture. Et du gros scotch pour pouvoir le peindre. Let's go. On se retrouve actuellement par terre. On adore être par terre. Donc vous prenez un gros scotch si vous en avez un. Si vous en avez pas, faites-en un gros avec les petits scotch que vous avez. Vous le positionnez comme ceci, voilà. Vous le scotchez sur une feuille. Ensuite vous prenez plusieurs feuilles blanches et vous les positionnez autour, hein, parce que j'aimerais pas avoir un sol gris. Voilà, comme ceci. Maintenant vous mélangez votre peinture et vous peignez. Voilà, c'est pas mal là. Et donc voilà comment on obtient du scotch gris. Oui, c'était très très simple, j'avais que ça comme moyen. Et là maintenant, sur notre feuille, nous allons découper la même forme que sur le bandage. Je vous en fais un, vous refaites pareil.
Voilà, ça a à peu près une forme comme ceci. Et comme ça, il nous en faut deux. Et voilà nos deux formes. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est très très simple, c'est les prendre et les coller derrière ici. Et pour ça, rien de plus simple, vous le décollez comme si c'était un merdique autocollant. Bon, j'y suis. Oh shit. Bon, laissez tomber la feuille en fait, parce que là il y a tout qui s'arrache avec. Bref, solution 2, prenez de la colle. Hein, n'importe quelle colle, ça marche, moi j'ai juste ça sous la main, donc voilà. Pouf, là je pense qu'on peut dire que ça tourne mal, hein. À ce niveau-là, déconne pas. Et là, vous tamponnez, voilà, comme ceci, votre petit truc. Une fois qu'elle a de la colle, vous prenez, vous retournez et vous collez ici. Voilà. C'est assez dégueulasse, ça devait pas rendre comme ça au début, mais c'est pas grave. Bon, au moins ça donne un effet de relief, c'est pas comme si c'était collé dessus. Ensuite, sur l'image, il y a 4 points noirs sur la plaque en fer, nous allons les faire avec un marqueur noir. Très simple, hein. 1, 2, 3, 4. Ben ça va, au début je voulais pas faire comme ça, mais au final ça rend plutôt bien. C'est même encore mieux parce que ça donne du relief. Eh, c'est vraiment pas mal les potes, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez, derrière les plaques en fer, notre plus... pour le bandage. Je vous mets une petite image juste à côté, regardez. C'est carrément pareil, hein. On est assez fiers de nous. Les amis, après avoir fini dans notre petit atelier, je suis ravi de vous présenter notre bandage Fortnite. Voilà, il est très très cool, il est vraiment réaliste. Moi, j'aime vraiment bien ce petit aspect ferraille derrière. Je trouve que ça rend quand même assez bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vais le mettre avec toutes mes autres collections Fortnite. Oh putain, non, Bobby, il est tombé. Regardez comme ça rend bien dans mon petit décor, hein, avec toutes mes popos et tout. Hop là, derrière, tranquillou. Non, franchement, il est top. On s'y croirait presque, hein. Eh ben voilà, on a fabriqué un petit bandage Fortnite. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo qui pop juste là, où c'est que j'ai reçu un colis mais qu'à la base je ne devais pas vous montrer. Et bien sûr, je vous l'ai montré, bande de coquinous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette petite, de ce petit bandage Fortnite. Si vous trouvez qu'il est cool ou pas. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace.